capote. On vient de terminer, à vrai dire, de poser les sonores, l'équipement, le moteur électrique, transférer notre système sur le 24 volts. On est le 16 mai, puis il neige à plein ciel, des gros flocons. Il fait moins 2 dehors. Bienvenue sur la Côte-Nord. Donc, on a fait une belle prospection hier, jeudi. Aujourd'hui, vendredi, day off, j'avais une réunion à Québec. Fait la route là, pour se rendre à Québec, aller-retour. Été racheté un peu de l'air de ce qui nous manquait, ce qui avait été très bon pendant la pratique puis qui nous reste plus. On a pratiqué sans hameçon. Malgré tout, on a tombé sur des poissons vraiment agressifs qui ont réussi à nous arracher complètement les leurres de la façon dont ils avaient attaché, soit quand même très solidement. Tu sais, à l'exemple, là, les Senko, on avait mis un anneau, donc autour, un ring. On avait attaché notre fil directement après le ring, puis il était tellement agressif qu'il réussissait à partir avec, puis à finalement réussir à les sortir du ring. Fait que des poissons très agressifs, on est très encouragés, on est vraiment hâte à demain. Là, c'est l'étape, c'est qu'on remonte toutes les cannes avec ce qui a fonctionné en pratique. Premier tournoi est terminé pour la partie sur l'eau, on s'en va à peser. On a nos 5 poissons, ce qui était un peu ma peur. Je voulais absolument prendre 5 poissons, mais je pense qu'on va manquer de poids un peu beaucoup. On a, d'après nous autres, autour de 12,5-13 dans ce coin-là. On n'a pas réussi à prendre là, un gros lancard pour la peser. C'est dommage, mais on a pris énormément de poissons tout au long de la journée, c'était plaisant. On a eu des follow, des attaques, on a vu des esturgeons, des carpes. On a tout vu, ce qui était plaisant à voir. Là, on a réussi, au moins le moteur marche, qui est réparé. Ce qui nous a fait peur, en 2-3 jours avant, on ne marchait pas partout. Il a fallu se déplacer rapidement pour faire réparer ici, parce qu'à Bécamo, on n'avait pas la personne pour réparer le moteur. Fait que, on est bien contents. Dormi dehors chez la sonde, mais... au moins, il est réparé. La journée est belle. Il fait chaud. Au moins, on a passé une super belle journée sous l'eau. Pris du poisson en masse. On a appris puis on s'est amusé. Okay.
la prochaine fois, je pense qu'on va... on devrait être capable de faire mieux.